On me disait un truc que j'avais pas remarqué, c'est que là, quand tu parles à ce marchand, en bas à droite, il y a marqué « Vendre tous les objets de valeur ». Et tu laisses appuyer sur C. Et du coup, je pense que ça doit être des objets qu'on doit pas réutiliser pour autre chose, j'espère en tout cas. Ah ouais, non, c'est pas forcément tous les objets, j'ai peur en fait. Moi, ça me fait peur. Hein. Ah, je sais pas en fait. Ça, j'avais vu la touche, mais moi, j'ose jamais appuyer dessus parce que j'ai peur que... Bah, quelqu'un m'a dit, il y a cette touche-là, et en gros, fais-la et tout. Mais j'avoue que ça me fait peur. Est-ce que ce sont les objets de valeur en mode les ressources de valeur et que qui nous servent à rien d'autre? Ou est-ce qu'on va vendre nos... Si tu veux, est-ce qu'on va vendre nos armes? Moi, je peux faire le test, hein, si tu veux. Ouais, mais tu risques de tout perdre. Bah, de toute façon, pas les armes équipées, je pense. Bah, j'espère pas, ouais, du coup. C'est vrai que ça met le doute, parce que je me dis, ça fait beaucoup, hein. Vas-y, essaye. Vas-y, j'essaye. Ok, j'ai encore mes armes et tout. Ok. C'est bon, j'ai plein de trucs encore sur moi, j'ai tous mes crafts nécessaires, okay. Tu vois. Donc je l'ai fait aussi, et du coup, moi je me suis fait 3380, j'imagine que t'as dû te faire quelque chose d'à peu près similaire. Ah, j'ai fait 2000 et des brouettes. Du coup, donc, je suis à 3200. En tout cas, on se fait beaucoup d'argent, donc déjà, le commentaire était bon, et ça permet de revendre vite et d'avoir beaucoup d'argent. Et du coup, moi ce que je te propose maintenant, c'est de retourner, donc c'est à l'autre, hein, et lui acheter le truc à UV. Parce que là, maintenant, on va voir ce qu'il faut pour le plan UV. D'accord. Hop. On va y aller. Ah, mais c'est pas lui qui les vend du coup. Ah mince. Ah mince. Ah, ce n'est pas les plans du coup. Alors, il y a des plans, mais en fait, c'est pas les mêmes que dans le bazar. Et du coup, elle a pas ce AUV elle. Donc ah, ça veut dire qu'on va être obligé d'aller jusqu'au bazar pour aller prendre ce AUV. Ah, c'est chiant parce qu'après, il faudra revenir vers ici pour le faire. Ah, je suis. Oh, le bazar en plus, s'il faut, ils vont tous nous détester là-bas, on va se faire tuer. Hein. Non, non, non. Bon, bah, go au bazar, alors acheter le truc à UV. Ok, alors normalement... Qui a les plans? Ok, donc c'est à lui. T'achètes... je pense que ça doit être la barre UV. Ok. Hop. Est-ce que, d'ailleurs... Ouais, non, c'est bon, il n'y a pas d'amélioration, là. Attends, améliorer. Si, on peut quand même améliorer aussi la barre UV. Est-ce qu'on l'améliore ou pas? Ça va améliorer la durée, mais ça coûtera la même chose, hein, je pense. Bah, vas-y, on va améliorer, hein. Ouais, ça augmente la durée à 10 secondes, ça peut être bien peut-être. Ouais. Ah, mais il faut des trophées infectés, inhabituels. Ah, et la deuxième feuille, il faut de l'ordre. Ouais, voilà. Ok. Non, mais t'as vu 6... Ah non, 6 mètres, j'ai cru que c'était 6 minutes. Et après, c'est des trophées rares. Oui, c'est le rayon d'effet juste. C'est le rayon d'effet. Moi, bon, moi j'ai envie de le mettre. Hein. Mais moi, j'ai pas de quoi. Hein. Ah ouais? Tu peux l'améliorer, toi, encore? Ah bah oui. Ok, bah moi, j'ai pas de quoi. Bon, je vais pas le faire dans ce cas-là. Non, mais si, vas-y, fais-le, au moins, toi, tu l'auras. J'ai pas assez de trophées d'infectés inhabituels, en fait. J'en ai que 8. Mais vas-y, fais-le, hein. Au pire, comme ça, il y en a un de deux qui aura des meilleurs trucs. Oui, au pire, ça sauvera... Voilà, c'est bon. Ouais, t'inquiète. Oh! Oh, voilà, là, tu l'as fait, mais ouais. Faut le maintenir, en fait, le E. Moi, j'ai appuyé qu'une fois. Non, j'appuie qu'une fois, moi. Ah bah, moi, je viens le faire maintiens. En même temps de faire espace, quoi. Mais, ah, ok, bah, moi, non, pas besoin. T'en fais voir. Ouais, non, je sais pas, peut-être nul, hein, tout simplement. Oh. Ouais, ça permet de sauter tellement plus loin, ça. Oh, par contre... Bonjour tout le monde. Fais attention, parce que la stamina se consomme quand on est là-haut. Ah, je me suis encore fait mal, hein. C'est vers là. Aiden. Oh. On dirait que les bandits ont fui le château d'eau. C'est inoccupé. Ah. Hector veut prendre le contrôle de l'eau. Ah mince, on est passé sur le château d'eau. Alors, c'est ça, sa façon d'enquêter sur le meurtre de Lucas. Eh bah, il est pas si bête après tout. Mais fais bien attention à Joe. Ce gars est un rigolo, mais il est dangereux. Je doute qu'il se soit juste enfui comme ça. Alors c'est pas mince. Méchant, mais nous on s'en fout de ça, on voulait pas trop ouais, faire c'est ça. Ouais, c'est ça, mais en fait on est même pas au château d'eau, mais il a quand même déclenché le dialogue en mode bon ok, y a plus personne là-bas, machin, tout ça c'est cool. On verra ça après. Nous, on a un autre objectif avant. Alors, j'ai deux choses à te proposer en fait. D'accord. Donc là, normalement, je pense qu'on va arriver, je crois que c'est là-haut, hein. C'est le truc là où il y a les bâches devant et tout, là ah, c'est ça. Ah hein. Oui, d'accord, ok. Je pense que c'est cet endroit-là. Donc, oui, voilà. En gros, c'est la zone sombre où il y avait les rapaces. Et de ce qu'on nous avait dit, il faut à tout prix... Voilà. Il faut à tout prix les lampes UV pour passer les rapaces, d'accord? Oui. En gros, c'est pour les effrayer, hein, ça va pas les tuer. Donc, vu qu'on a les lampes, on peut le tenter. Oui. Le seul truc, c'est que soit on y va, on tente les lampes, on tente de passer. Soit il y a une autre possibilité, vu que c'est une zone sombre, je me suis dit, est-ce que... Si on y va de nuit, bah ce serait pas plus safe aussi. Tu sais, comme il disait qu'il y avait des zones comme ça où quand on y va de nuit, bah du coup c'est plus safe que de jour.
Mais celle-là, je suis pas sûr, vu qu'elle rapace et tout. Bah, vu la bestiole qu'il y a là-dedans, ça rapace le gros truc? Ouais. Et bah, le rapace de nuit ou de jour, je vois pas le changement. Je pense qu'il y sera aussi, mais je suis pas sûr. Mais du coup, on peut le tenter déjà de jour. Voir ce que ça donne. Et du coup, il y a autre chose que j'ai remarqué quand j'ai rechecké ma vidéo. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'y aller, quand même. C'est qu'il n'y a pas un inhibiteur, il y a 4 inhibiteurs là-dedans. Ah! Ouais, c'est pour ça que j'ai envie d'y aller aussi. C'est que, en fait, regarde, quand on rentre là-dedans. Oh, j'arrive. Voilà, là, normalement. Alors, moi, en tout cas, j'ai vu sur ma vidéo quand j'ai rechecké qu'en haut à gauche. Ouais, c'est ça, c'est quand on descendait, je crois. En haut à gauche, il y avait marqué genre. Chercher les 4 inhibiteurs ou un truc comme ça dans la zone. C'était pas marqué juste chercher un inhibiteur, tu vois. Donc, ça me paraissait très intéressant. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, la seule question. En fait, il y en a un qu'il faut quand même qu'il descende pour vérifier s'il est là ou pas, je pense. Il y en a un qui se donne. Bah ouais, un peu. Mais avant qu'il meure. En plus, c'est bien ça. Voilà, avant qu'il meure, j'avoue qu'on peut. On a toujours les leurres à jouer, on a les trucs à UV et tout. Donc avant qu'il meure, faut vraiment que l'autre ait le réflexe de. Alors attends, déjà, il faut l'équiper. C'est où? Ouais, voilà, alors c'est ce que j'allais te dire. Je vais déjà l'équiper, le truc. Voilà. Ah, il y a un appât. Attends, morceau de viande saignante qui attire les mordeurs et les virulents sur une grande distance. Ouais, l'appât peut être bien aussi. Dans l'accessoire. On va mettre quand même celui-ci aussi, comme ça on a que des trucs utiles. Voilà. Donc, moi je vais équiper direct. T'as juste à appuyer sur 1 pour switcher ou tu laisses appuyer sur 1. Et tu veux équiper quoi direct? Là j'ai pris la truc à UV. Et du coup, si on voit le rapace, hop, UV pour essayer de le faire fuir. Et on essaie d'avancer dans la zone pour choper les inhibiteurs. Ouais, mais tu le gardes en main ou pas ce truc? Comment ça se passe? Ah non, c'est pas la molette après. C'est clic molette là? Oh là là. Alors, tu vois, c'est là où je l'ai vu marqué. Là, il y a marqué « Trouver des inhibiteurs dans la zone sombre du GRE, il y en a 4. » Pour ça que je pense que même la nuit, il va y avoir les trucs dangereux parce que... Ah non, revenez plutôt la nuit, c'est quand même marqué. Ok. C'est quand même marqué, ouais, revenez dans la nuit. J'avoue que même la dernière fois, on n'avait pas lu. Donc ouais, bah tu vois, j'avais peut-être pas tort en disant ça. Alors, on va peut-être retenter la nuit vu qu'on a que 2 trucs à UV. Et si on croise le truc, on aura ça pour se défendre. Et si en plus, on a de la chance qu'il n'y ait pas vu que c'est la nuit, bah tant mieux. Un petit truc, bah si, bien sûr. La clé d'accès. Et où toi? En bas, par l'escalier là. Là où tu vas, ouais, c'est bon. Mais t'es descendu loin, Ah bah non, même pas. J'ai l'impression que t'es loin. Et oh là, est-ce que ça ouvre de l'autre côté? Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ça ouvre la cage d'escalier, en fait, ça va faire des checkpoints. Et attends, mais là, on loupe pas dedans? Si, si. Mais comme pour moi, c'est le vrai accès, je vérifie qu'il y a rien d'autre à côté avant d'y aller. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est par là où on va aller. Et là, apparemment, on peut s'accroupir, mais... Y'a rien, y a vraiment zéro zombie en fait, c'est super safe. Oh les bruits, j'ai eu peur. Non mais ça me paraît très très safe hein. Là y'a un truc qu'on peut casser, je vais pas le faire. C'est... Ah mais attends, vrai, c'est une caisse du GRE et tout en plus. C'est ouais vas-y hein, casse hein. Ok. Par contre y'a un truc chimique là-bas en face, fais gaffe. Et avec en plus ton feu... Ouais, pas bon bail. Attends, moi je vais nettoyer... Enfin, je vais ramasser avant, moi, les trucs. Ouais, du tout. Il y a de la résine à foison ici, je sais pas si tu... Si tu l'as déjà loot ou pas. Je sais pas, je loot pas mal de trucs, je fais même pas gaffe, là. Mais par contre, ça fait plaisir tout ce qu'on loot, là. Verrouiller de l'intérieur... Projetage facile. Là, il y a des portes, il y a un ascenseur ici, dis-toi. Non, mais alors déjà, c'est immense, mais surtout, il y a des bip-bip de l'autre côté. Alors, je te propose, on va peut-être essayer de faire le premier, déjà. Oh oui. Est-ce que notre UV, là, celui qu'on a récupéré, est-ce que ça nous permet aussi de l'utiliser comme un truc à UV, même pour nous, tu sais, pour remonter notre truc d'immunité. C'est toi qui as cassé le truc, j'ai sursauté, hein. Ah, excuse-moi, viens. Bah je pense que ça t'augmente ton immunité en même temps. Ok, je dois crocheter en moins d'une minute, ça devrait le faire. J'ai pété le truc pour avoir le cristal là, enfin le cristal pardon. J'arrive pas à crocheter. Attends, mais c'est par où là? Mais c'est par là. C'est bon, j'ai réussi. Oh GG. J'ai tout volé, je m'en vais. Mais attends, mais y'a pas de... Non. Y'a pas d'inhibiteur? Non. Bah j'avoue qu'on est à 8 mètres d'un inhibiteur là. Ah mince, attends, je pensais que c'en était un moi. Immunité faible, y'a une zone là où je peux me requinquer là.
J'avais vu tout à l'heure un truc violet. Ah, ça marche pas ce truc là? Ça diminue l'immunité en fait d'aller là-dedans, c'est tout. Ok. On fait quoi? On va dans là où il y a la porte? Bah, en fait, ouais, on a un truc pour remonter vite, je pense, pour reprendre de l'UV. Hein. Je pense que c'est fait exprès, hein, sinon. Ah, l'inhibiteur, il est là! J'ai le logo. Oui, mais c'est celui accroché là, non? Oui, c'est celui-là. Celui-là, je l'ai vu, mais ça a bipé à l'intérieur. Attends. Je veux juste qu'on remonte. Attends, c'était où la porte de base? C'était là, ouais. Je veux juste remonter à l'UV, moi. Je vais faire de même. Hein. Comme ça, ça évite de gaspiller tant qu'on est assez haut. C'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai pris des champignons. C'était inutile de faire ça. Ouais, en deux secondes, regarde, on est full. Et on est reparti. Là, tu laisses appuyer sur C. Ça te fait glisser. Hop. Ah ouais? Ouais. Sur l'échelle, ouais. Oh, mais grave. C'est un vrai gain de temps, ça. Ils étaient là, tout à l'heure? Oh non, y'a qui? Wow, t'inquiète, ok. Mais... Aïe! Ils étaient pas là, tout à l'heure, là. Ah, je les ai pas vus, non, tout à l'heure. Hein. Attends, il y en a d'autres qui sont couchés. Il y en a plein en face, là. Ah ouais? Mais bah, en fait, c'est moi ou d'être remonté, ça a réinitialisé le truc? Bah, je sais pas, ouais. Attends, il y en a... T'inquiète, ça va monter notre combat, c'est cool. Ouais, bah, ok, va falloir que je crochette ici du coup de l'autre côté. Ah mais attends, on peut passer là aussi? Bon, ça n'a pas d'intérêt, je crois. T'as pas vu toi? J'aurais pu l'exécuter lui, limite. Bah okay, moi, il y a du zombac hein, sur mon côté. Hein. Vas-y, vas-y, t'es la meilleure. On est tout. Ok, j'ai crocheté l'inhibiteur. C'est bon, ça c'est récup. Oh là là, ça fait plaisir. Viens là où je suis, ouais. Ok, c'est bon. Okay. Compétences, du coup, bah, je pense que je vais quand même... Moi j'avais dit que j'allais mettre... Ah, on l'avait déjà mis, le oui, soin. On avait mis santé, on avait fait, ouais. On avait déjà fait un de santé, bah je vais mettre vraiment l'endurance, moi, alors. Pareil. L'endurance, c'est vraiment trop important dans le jeu. Hop, on a une cassette ici aussi. Ouais. Ça, on va ouvrir, non, ça permet de faire de des points de passage. Il y a un mec là. Encore une fois. Ouais. Et du coup, on arrive dans la fameuse cage d'ascenseur dont tu parlais. Alors, soit on ouvre ici, soit il y a la porte. On va ici à la porte. Hein. Attends, ouf. C'est là où t'es? Est-ce que je fais que je passe par là, moi? 13 mètres du prochain conteneur. Oh là là. Bah, de toute façon, je pense que ça va se rejoindre hein, d'un côté ou de l'autre. Ça me fait peur, Orsla. Hein. Mais non. Tout ce qu'on a traversé, c'est ok. Ok, on a des zombies de l'autre côté, il y a beaucoup de choses à looter. On a... Je peux pas mettre le... l'autorisation du GRE, là. Bon, arrête. Tu peux toi? Ah bah non. Ah si, je peux. Ah ouais? Ok, c'est... En fait, le ouvrir, je sais pas pourquoi il se met sur le côté. Ah, parce que tu tires la porte, ok. Bien joué, ça. Avec ton petit shoot derrière. Ah ouais, là. Mais parce que moi j'ai trop peur. Hein. Ok, ça bip encore à l'intérieur. Derrière, oui. En fait, le bip c'était juste pour l'inhibiteur du coup. Si je pense qu'on pourrait le tuer par. Une petite élimination là. Ça marque pas, ça c'est en rouge. Oh, il y en a pas qu'un quand même, hein. Fais gaffe. Oh mince. Ah. T'inquiète. Oh. Pas gaspiller le katana sur eux. C'est vrai que moi j'ai pris le gros truc, mais bon. Bon, j'ai ça se trouve, si j'utilise le katana, on aura quelque chose d'encore mieux, mais bon. C'est vrai oui. Que quand c'est pas nécessaire, j'aime pas gaspiller. On sert peut-être même un peu trop de choses des fois, mais au moins, on sait qu'on est bien. Je pense jamais à fouiller les cadavres. Ok,
Ok, je vous la porte ici, il y a un zombie derrière moi, peut-être faudra que tu cover. Ok, j'arrive. C'est bon, c'est ouvert. Inhibiteur ici normalement. Yes, let's go, il nous en manque plus que deux. Attends. Et franchement, il y a beaucoup de loot hein, en plus là-dedans, on a vraiment bien fait d'y aller. T'as une bonne idée. Bah, disons que j'ai revu ça, je me suis dit tiens. Déjà, j'avais envie de tester le truc à UV. Est-ce qu'il y a beaucoup de loot? Déjà, on m'a parlé des trucs à UV, je me suis dit bah tiens, ce serait l'occasion de tester, ce serait cool. Et du coup, en re-regardant, je te dis, j'ai vu qu'il y avait 4 inhibiteurs, je n'avais pas vu la première fois, je me suis dit oh là, quand même chaud. Attends, il y a des passages ou c'est les mêmes passages? Ouais, là c'est ici. Ah là, il y a un truc pour toi là, mais ça va être chaud. Dis-moi. Il y a une caisse à crocheter ici. Mais il y a un truc d'infection autour là. Ah, je vais le faire si tu veux. Par contre, moi j'ai 50 secondes d'immunité. Ouais, pareil. Tu vas en remonte parce que c'est chiant d'utiliser les champignons H24. C'est par où par contre? Ah, mais j'ai peur que ça réinitialise. Brave. Non, en vrai, je pense pas que c'est vraiment réinitialisé, mais. Tu crois? Je sais pas. Je sais pas si on aura le temps d'y aller. Hein. Ouais, ça va, je demande par où c'est, mais ça va. Je m'y retrouve en fait. T'arrives à bien te repérer. Alors, par contre, j'ai pas équipé du tout le bon truc au cas où, donc 10 secondes, c'est vraiment tendu. Hein. Oh là là. Oh là là. On joue avec le feu. J'ai 15 secondes. Attends, le 2, voilà, on va le mettre. Au cas où. Oh là là. GG. On y retourne. Ouh. J'ai peur que ce soit réinitialisé. Je pense surtout les loots doivent être incroyables en fait là dans la zone. Hein. Parce que là, les zones où on ouvre alors qu'il y a du poison et tout, j'ai l'impression que c'est des gros loots et tout. Je dis pas forcément ce qu'on essaie d'aller vite, mais. Ouais, j'ai pas encore regardé moi tout ce qu'il y avait. Donc là, c'est pareil, n'oublie pas, on pouvait sauter par là aussi. C'est potentiellement un autre étage pour plus tard. On va finir celui-ci. Alors, bonne nouvelle. Il y a toujours rien. Ça pas respawn. Non. Oh, il y a tellement de loot à prendre. Ouais, c'est pour ça, on va profiter. Petite zone cool, un petit peu plus tranquille. C'est pas grave, si on en manque un peu, vu tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de mecs qui dorment sur le côté, là. Ah, là, ok, il y a une autre pièce là où je suis, il y a plein de trucs. Il me semble déjà fait. Ouais, c'est de ce côté, justement, là où ils dorment, il y a des trucs à l'outil encore. Mais là, regarde, là, il y a le fameux truc qu'il faut que tu crochettes. Ah oui, pardon, c'est ça qu'on voulait faire. Tu casses derrière, je crochette, on fait comme tout à l'heure. Allez, go. Parce que tout à l'heure, j'ai fait la même chose hein, quand j'ai crocheté, hein, de toute façon. Ah bah oui. Autre étage, hein. C'est bon, j'ai cassé. Aïe. Ouais, moi aussi j'ai cassé le crochet. Ah mince. C'est bon, j'ai ouvert. Oh là, ça fait plaisir. Non, ça c'est quoi? Parce que c'est que du violet. Casque. T'en sors au cas où. Pas le temps. Kit de... militaire. Ouais, en fait c'est que c'est du légendaire et de l'épique en fait. Ah oui, le cristal. C'est du légendaire et de l'épique et c'est des armures. Enfin, c'est de l'équipement et tout. C'est vraiment très très bien hein, ce qu'il y a là-dedans. Bon, il faut tout faire. Ah oui, grave. Attends, on regardera après. Il y a les zombies ici à gérer. Il Allez, on looter. S'en occupe, c'est parti. Je vais prendre ma scie à métaux, elle est très bien. Oh, il m'attaque! Reculez là! Il a pas beaucoup de dura, ma petite pelle là. On va passer sur le marteau après, je pense. Ah, votre arme est presque détruite. Oh, j'aimais bien, moi, cette petite arme. Ouais, c'est pour ça que je n'utilise pas les grosses armes sur eux pour l'instant, mais... Parce qu'en vrai, ils sont quand même faciles à tuer. Faut quand même un peu de temps, mais... Il y a des gros sacs, là. Voilà, bah, je vais devoir utiliser le marteau, là, de toute façon, maintenant. À moins que j'ai autre chose. Ouais, j'ai d'autres trucs, en fait, équipés, maintenant, donc oui, ok. Ok, ok. Tac. Ok. Ah. Alors dis-moi, il y a quoi à looter ici, ça? Il y a tellement. T'as vu comment la zone est incroyable. Ouf par contre. On va faire un épisode uniquement sur le loot là. Ouais, bon, on fera un épisode plus long au pire, comme ça on fera aussi l'histoire derrière. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir une zone comme ça justement, je trouve que. C'est quand même sympa.
Attends, on l'a fait cette zone? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, c'est moi qui avais pas regardé. Ah mais attends, bah en fait on est... On a tourné en rond là un peu, non? Bah non, c'est bon, en fait on a tout fait là. Ouais, oui, mais on a tout fait, mais ok. Ah oui, non, c'est que... Non, non, en fait, c'est juste qu'on est bien plus loin, mais c'est juste que c'est en dessous. Ça ressemble à notre escalier, mais on est en dessous de l'escalier où on était avant. Je suis en immunité 1 minute 30. On va ouvrir ici, regarde, ça fait un checkpoint. Ça veut dire qu'on peut y arriver par là aussi. C'est par l'autre côté avec les échelles. Je pense que ça sert vraiment à ça, hein, pour reprendre de l'UV en haut. Hein. Vas-y, ouais. Go reprendre de l'UV vite fait. Comme ça, on repasse par là après, on sait où on est. Ok. Tac. Je pense vraiment que c'est fait exprès, hein, ce côté-là. Non mais c'est fort probable, hein, ouais. Mais c'est trop bien par contre, toute cette zone. Hein. Cette zone est incroyable, mais il faut la finir de nuit. Hein. Ouais. Ah, d'ailleurs, il faut la finir de nuit, mais attends. Il est 5h? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de dire. On doit finir cette zone de nuit avant que les rapaces n'arrivent, mais il est 5h19, ce qui veut dire qu'on va la finir de jour, en fait, et on va avoir des problèmes. C'est à quelle heure? Bah je pense qu'à partir de 6h on va commencer à avoir des soucis hein. Oh non, faut qu'on se dépêche Horse. Ah ouais, dépêche-toi. En vrai il reste plus qu'un étage en dessous. Vas-y, on peut le faire vite. Vas-y, mais je fonce. Pense que les rapaces vont nous tomber dessus là, c'est sûr. Bon, je l'ai équipé au cas où mon truc. Attends, on a fait ça celle. Oui, ça on l'a déjà fait, oui, c'est ce que je suis en train de capter, ouais. Il fallait qu'on descende là justement. Excusez-moi. C'est la panique ça. Eh bien. Attends, j'ouvre là, je déverrouille pour au cas où prendre l'échelle vite si on a quoi que ce soit. Vas-y, vas-y, okay, ouais, c'est déverrouillé. Ah bah, y'a pas de zombies ici. Il y en a en bas, c'est un hurleur. Y'a pas de zombies en dessous, mais en fait, c'est le pire bail qui est en dessous. Bah, je vais pas le voir, on a pas le choix. Et si on saute là à gauche? Tu sautes sur le conteneur, on part à gauche tout de suite. Ouais, peut-être. Mais il faut qu'on aille en bas, je pense aussi. Hein. J'ai envie d'aller le tuer en fufu. Hein. Ah, j'entends le bip. Il est où? Il est juste en dessous, le truc, l'inhibiteur. Il est 6h du mat. Oui, bon, attends. Il faut tenter quelque chose. Non, je suis accroupi. J'étais pas accroupi. Je me pensais accroupi, ok? Ça va, il a pas hurlé. Oh, j'avais pas vu. Par contre... J'ai plus de stam. Attends un peu. Ah bah c'est super. J'ai pas un coup chargé pour louper. Bravo. Activer clic droit, clic gauche pour activer le mode explosion. Oh, ça t'as fait vu? Je l'aurais foutu le non. Peu. Ah, comment t'as fait? Eh ben, en fait, mon marteau, il était en feu, il y avait clic-clic, maintenait clic droit et clic gauche pour activer le mode explosion. Mais c'est quoi? C'est coup... parce que tu l'as, t'as le feu sur le manche là qu'on avait rajouté la dernière fois, c'est ça? Ah, peut-être, je regarderai après. J'ai toujours pas testé ça, donc ça se trouve, c'est ça. Hein. Eh ben, c'était énorme. Attends, le zombie spécial, est-ce que je l'ai. Ouais, je crois que je l'ai looté. Loot-le, moi, lui, il doit donner un truc inhabituel ou je sais pas quoi. Trophée infecté inhabituel, utile. Effectivement. Ouais, voilà. Ok, c'est là-dedans qu'il faut aller impérativement. Comment on y vas-y, va? Verrouiller l'intérieur. Ah, verrouiller allez, l'intérieur, c'est là. Ouais. Crochetage, j'y vais. Fonce. Ah, et là, on sera safe, je pense, ici. On aura une porte. Juste derrière toi, donc on sera bien. Ok, on ouvre ça. Inhibiteur, direct. Fonce. Oh là là, mais c'est tellement le feu, là, tout ce qu'on gagne. Ça fait plaisir, hein. Bon, je remets endurance, hein. Vas-y, je remets endurance, moi. Endurance? Moi j'ai remis endurance, mais vas-y, toi fais ce que tu veux. Ouais, non. J'ai juste que je mets au cas où parce que voilà. Regarde là. Viens voir. Regarde là. Ah, bien vu ça. Ah, bien vu. Incroyable. GG ça. Bah, y'a un truc de l'autre côté, je pense. Parce que c'est... Je pense que j'ai pas tout looté, mais bon, on s'en fout, on a eu le. Ah, c'est une sortie du coup, c'est bien ça. Ah. Alors attends, je regarde vite fait pour mon arme. Je bon, regarde c'est toujours deux la nuit, hein, de... Ah en oui, vrai, si jamais, c'est bien c'est le poignet. Le moment. On est encore de nuit, hein. Non, non, mais reste. Attends, on verra après, je pense, tout ce qu'on a eu, vraiment. Non, non, on mais pas c'était fini pour savoir les... pour l'explosion. Ah, ok, ok. Mais vraiment, on n'a pas fini les étages, là, il y a encore un. Mais si, on a terminé là. Ah non, non. Ah ouais. Il y a merde. Encore un étage en dessous, hein, pour moi. Ah, peut-être que je me plante, hein, mais j'ai vu un truc descendre encore un moment.
Ok, j'ai ouvert ici le stufflage. Okay. Je suis en train de casser le. Vous approchez pas de zone recouverte de produits. Ah oui, je suis en plein dedans là pour l'instant. Ok, c'est bon, j'ai cassé le cristal si jamais. Bien vu. Yes. Ok, c'est bon. Ouais, j'avoue que c'est. En fait, l'étage c'est peut-être ici vu qu'on a pu sauter. Mais j'ai là un où on doute, monte hein, parce que... bah, il nous manque un inhibiteur pour moi, on en a eu que 3 en fait. Là, on n'est pas encore monté. Ouais, voilà, là on n'est pas monté. Et là-bas. Oh, ça pionce sévère. Hein. Je vais aller checker vite fait, mais tu vois, ici ça descend. Ah, ok, ça descendait pas en fait. Il va être 8h du matin, ça y est, on va être dans la merde. Ah, et là on est tout en bas. Non, t'as raison, on a peut-être tout fait. Il manque juste là l'étage à gauche et peut-être il y a un inhibiteur, ouais. Ça y est. Allez, on check vite à gauche en face là. Ok, c'est juste du loot. Il y a un inhibiteur qu'on a manqué quelque part. Hein. Là, je vois une caisse, mais c'est un petit truc. Un inhibiteur, on appelle le. Bon, tant pis, on sort pour la sécurité. Ils sont tous en train de. Vas-y, vas-y, sors. C'est bon. Ouais. Ok. Pour toi, il nous manque un inhibiteur là. Bah, je crois qu'on en a eu que 3. Après, honnêtement, on a déjà beaucoup de choses. C'est déjà très bien. Il manque un peu de loot qu'on n'a pas récup, mais ça va. On a déjà eu beaucoup de gros stuff et tout. Si tu veux, on peut sortir là et ouais, ça nous empêchera pas de revenir une prochaine fois. Et comme ça, là, on continue l'histoire si tu veux. Ouais. Ah, GG en tout cas. Et là, le jour se lève, voilà, nickel. Franchement, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu beaucoup de choses normalement. On a eu beaucoup de matos. Mon niveau arme, rien de fou a priori. On a eu plein de kits de soins militaires. Moi, j'en ai 7 perso. Ça, c'est du. Ça, c'est du gros soin, à mon avis. Booster d'immunité, j'en ai bien plus que ce que j'avais au début, ça c'est sûr et certain aussi. Ouais, ça c'est sûr et certain. Attends, j'ai une gangrène machette à 32 de dégâts, j'ai eu ça quand? What? J'ai pas ça. Ah bah moi j'ai eu ça. Ah je l'ai pas eu, j'ai dû la louper quelque part. Dans une des pièces à loot là, j'ai dû... Bon, c'est pas grave. Ah mais je peux pas par contre la modder. Juste c'est une toute verte classique et basta quoi. Ouais, bah écoute, c'est déjà bien. Hein. Ouais. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Là, du coup, j'ai eu... Mais c'est un peu les mêmes. Ah ouais, non, pas tout à fait. Ouais. Dégâts, arme à deux mains. Ah, ça augmente l'XP de parcours. C'est intéressant, tiens. Dégâts, attaque de parcours, vitesse, régénération de santé. Et les soins, moi, j'en ai 4 des soins militaires. Ah, c'est... Pas mal. Ouais, je pense que je vais mettre celui-ci, il m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, on a eu quoi? Des brassards. Voilà, on a eu un brassard légendaire. Enfin, on a pas la même chose, mais... Si, moi, j'ai eu brassard, j'ai le pantalon en légende et les gants. Ouais, tu vois, XP de parcours, plus 4%, en vrai, c'est quand même bien, en fait, hein, ne serait-ce que pour ça. Mais c'est et ouais, bien. Le pantalon aussi, j'ai 2 légendaires en pantalon. Je pense que je vais prendre le bagarreur par contre. Je pense que le bagarreur, ouais, ça m'intéresse bien. Ça fait trop plaisir. Hein. Franchement, c'est bien bien mis là-dedans. Ah ouais. Par contre, trop bien. Le brasier, effectivement, c'est bien ça, qui était équipé sur mon marteau. Et en fait, au bout d'un moment, vu qu'il se recharge automatiquement, bah, j'étais en train de taper les ennemis. Et d'un seul coup, ça m'a marqué à l'écran, appuyé sur clic gauche et clic droit. Et en fait, d'un seul coup, j'envoie en gros, on dirait que je suis un dragon pendant 2 secondes et j'envoie du feu. MDR. Ça dure 2 secondes, mais c'est efficace. Hein. Ok. Il y a un truc que je voulais tester aussi, bah tiens, je vais tester là. Je t'allais faire genre, je vais tester sur toi. Non. Non, mais par contre, c'est intéressant à savoir. Ça, c'est cool. Ah, quel bonheur. En fait, je veux tester un truc bête. Non, t'es où, t'es sorti? Ouais. Okay. Je veux tester la course, si ça sert, parce que courir plus vite, ça sert pas à grand chose, on court pas beaucoup plus vite et tout, mais je veux voir si au niveau des sauts, il y a une vraie différence ou pas, juste par conscience. Bah moi je trouve que des fois tu cours un peu plus loin. Ah mais justement, c'est est-ce qu'on saute plus loin? Alors si je fais ça... Alors moi je trouve que tu sautes plus loin. Et ça... Ok, j'arrive à l'entrée de cette zone dégueu là. Et si j'y vais encore... Ah mais c'est pour ça, moi j'utilisais des fois un peu en... juste pour courir, mais pas forcément pour sauter. Ah oui, pour le saut, on va quand même plus loin. Ouais. Ah bah oui, moi j'utilise beaucoup pour éviter de me tuer, justement, avec mes moves à chaque fois qu'ils sont nuls. Ah, mais comme j'étais un peu déçu du truc de base, je voulais voir si avec les sauts, c'était quand même intéressant ou pas. Ouais, bah oui. Allez, bah allons du coup... au château d'eau. Au château d'eau. Donc tout à l'heure, ils nous ont dit qu'il n'y avait plus personne, c'est ça? C'est ça. Ah bah ok, bah j'y suis déjà. Ouais, on est juste à côté. Ça on était pas loin. Ouais. Il y a encore un conteneur, là. Au coin. Oh là là! La stam qu'on a par contre, c'est beau. Hein. T'es au sol? Hein? Ah,
T'es pas loin. Ta vie, elle vient de se régénérer, mais t'étais à zéro. Ah, mais parce que je me suis gouré en plus, j'ai pris un champignon au lieu de me soigner. Aitor, Jack et Joe sont dans la tour, ils vont la faire sauter. Ah. What? Tu peux pas laisser faire ça. La t'es où, toi? Comment t'es monté? Non, mais je crois qu'il fallait descendre, de toute façon. Je cherche un endroit où descendre. Ta vie, si jamais elle se régène toute seule jusqu'à un certain seuil, donc avant de te heal, attends qu'elle se régène, je pense. Ok. Hop, j'arrive. Là, il y a une porte, je sais pas si c'est... J'ai tout vu. Éclaté. Oh, il y a les zombies. Là, il y a une porte, je sais pas s'il faut pas monter... Enfin, tu sais, prendre la porte, là. Ouais, ouais, c'est il la porte. Il faut que tous les joueurs soient présents. Ouais, ouais, c'est la porte. Cover moi, faut crocheter. Ok. C'est bon. Viens, viens, viens. Rentre. Ok, il y a les exploits ici. Bonjour. On peut le... Trouver des amorcés. Mais comment on désamorce? J'ai trouvé, hein. Attends, là, il y a des caisses avant de désamorcer. Attends. On a quand même des priorités. Hein. Avant de désamorcer une bombe qui risque de tous nous tuer, allons looter. Ah ouais, non, mais attends, regarde ça. Il y avait de l'oxydant en plus. C'est vrai? Bah, ouais. Je sais pas si j'en ai eu, du coup. Je lis pas, il y a tellement de trucs. Bah là, regarde, c'est écrit, là. Eh oui, c'est écrit, mais comment tu désamorces? Eh ben... Non, mais on a eu le même réflexe, vraiment. Un gros... Ah là! Attends, attends, on peut monter. Est-ce qu'il n'y a ouais, pas... C'est d'accord. C'est d'accord, mais est-ce que trouver et désamorcer... Tu crois pas que... Ouais, peut-être qu'il y a un autre truc à faire ailleurs, mais là, je... J'espère... Ouais, sûrement. Trouver et désamorcer. Mais attends, on est pas... c'est pas notre métier, hein. On fait tout dans ce jeu, c'est fou. Ce qui me dérange, c'est que trouver, c'est trouver, quoi, donc... Parce que là, du coup, on revient là où j'étais avant. Effectivement, je me sentais bien là-haut, hein. Je me sentais dans mon élément. Bah ouais, c'est ça, j'étais chaud pour monter aussi. Je sais pas, je monte parce que je me dis, va peut-être trouver une autre solution. Ouais, bah ah là, il ouais. Y a un truc que je peux casser et il y a encore une bombe. Enfin, il y a encore un explosif. Ok, et donc en fait, faut tous les trouver. Ah là, juste. Retirer. Ah. J'enlève. Ok, bien joué. Pourquoi on n'a pas pu faire ça en bas? Faut faire le dernier. Oui. Je suis d'en bas, je l'ai pas vu moi. Enfin, je l'ai vu, mais il n'y avait pas l'interaction. Attends, on peut et encore là, tu crois qu'il faut faire en bas pas. Maintenant? Ah, attends, il y a une échelle là qu'on peut. Attends, j'arrive plus maintenant. Voilà. What? Trop stylé! Je vais essayer d'aller faire celui d'en bas. Vas-y, ouais. Et ensuite, on regarde. T'es descendu non, par où pas, pour hein. En bas? Bah, par l'échelle, du coup. Et ensuite, j'ai repris le chemin qu'on a pris. Je vais remonter, hein, je peux toujours pas. Donc, il y en a peut-être c'est encore cool. Un autre à trouver en haut. Tu crois? Je remonte, t'inquiète. Peut-être qu'il y avait un autre chemin encore en haut. Ah bah ça sent le sommet de la tour, ça. Ouais, c'est le sommet du sommet du sommet. Peut-être qu'il fallait passer par ailleurs, d'ailleurs. Ah, là-haut, il y a un chemin, je crois. Je crois. Bah là, je vois un truc là. Ah oui, là-dedans, oui, t'as raison. En fait, je peux m'accrocher. Ah, ouais, bien vu, bien vu. Et à gauche après, ouais. Ouais. On a foutu des explosifs partout, ma parole! Là, t'as encore une échelle. Je la descends. Y'a un mec qui parle. Oui, c'est Joe. T'attends. Oh, tu vas être content! Projeté! Ah non. Mais c'est surtout qu'il y a un inhibiteur. Ouais, je m'en doutais un peu, ça va rentrer. Oh, on a eu un masque, t'as vu? Masque légendaire. Moi j'ai eu un pantalon. J'ai vu. Non, mais il est pas ouf. J'ai pas une masque, moi. J'ai un haut, pas fou. Et le pantalon sera pas fou, puisqu'on a eu du lèche tout à l'heure, on s'est mis trop bien. Ok. Ah là, tu peux monter. Ok. Mais en fait, c'est très bizarre que celui du bas, par contre, je me suis éclaté. C'est très ouais, bizarre que celui du bas, on puisse pas l'enlever. Bah, c'est sûrement le dernier enlevé ou. On s'est fait exprès, hein. Attends, y'a pas un truc comment ça là. Ça, ça se casse. Ça se casse. Ah, faut passer par là, je pense. Oh, là-bas. Qu'est-ce que je viens de faire? J'en peux plus de faire des trucs sans réfléchir. Oh non. Elle fait tout oh. Bouger. Oh là là. J'ai paniqué. Oh. J'ai réussi après tout. Oh, GG. On entre de ton côté? Non, je trouve rien pour le moment. On a fait la même encore en même temps? Mais non!
Mais quoi? Pourquoi? T'as tapé ou pas sur la vitre? Non. Ah, j'ai entendu deux bruits, c'est peut-être juste moi alors. J'ai cru que t'avais fait la même chose que moi encore, comme tout à l'heure en bas. C'est toi qui as tout fait péter? Non, je pense pas. Mais je pense que c'est juste qu'ils nous ont vus en fait. Enfin, peut-être que quand j'ai tapé, du coup, ça a pas aidé, hein, mais... Alors du coup, on est où, là? Bah, du coup, oh, on ça reprend. Nous remet là. Vas-y, on va. Ah, mais là, je peux l'enlever, celui-là. Ah, bah voilà. Mais on avait un bug, alors. Mais en fait, c'était buggé, oui. Je pense qu'on avait juste un bug, en fait. Du coup, ce qu'on a fait, c'était bien, juste qu'il fallait tout enlever avant pour pas que ça explose et qu'on n'a pas pu parce que ça a buggé. Ah bah ça, c'est pas de notre faute, du coup, parce que nous, on a été compétents, là. Oh, ouais, on a bien joué. Donc là, on est d'accord. Mais mec, il y a plus aucun explosif. Oui, tous les autres sont enlevés. Ah non, bah non, celui-là, du coup, moi, je le vois, maintenant. Il y a encore ? Il y a plus marqué. Ouais, bon, il doit être enlevé, on va dire. Oh non, j'espère que c'est enlevé, hein. Ouais, j'espère. Non mais ouais, du coup je pense que bah, c'est scénarisé, ils doivent nous voir en haut, mais on est censé avoir enlevé, et voilà. Là ça va être bon. Attends, et là, est-ce qu'il y a encore l'explosif? Regarde là, je peux le retirer. Oh non. Ah non, ça sent mauvais pour l'autre. Ouais, là j'ai pu le retirer moi celui-là. Ah c'est bon, il y a marqué trouver... Non c'est bon. D'accord. C'est bon, il nous dit juste de monter maintenant, c'est bon. Tout à l'heure, ça nous faisait pas de monter, je sais plus. Non, je crois pas. Là, je suis content de pouvoir courir, par contre, tu vois. Ah bah oui, pareil. Et je suis content d'avoir l'énergie aussi, tu vois. J'ai réussi après tout. Ça va? Ah, mais là, regarde, on en a un point maintenant, tu vois. Ah oui, c'est bon, t'es monté, ok. Ouais. Ouais. Bon, GG. C'était bien bugué. Oui, non, c'était pas notre faute. Pour une fois. J'avoue. Pas m'aider aussi, non, on est deux quand même. Bah écoute, je donne tout, hein. Soit c'est trop du cul du bazar, soit les pacificateurs. Ils nous sauteront dessus au moment où on descendra d'ici, mon pote. Putain, on l'a perdu, mec. On a perdu la tête. On peut pas se battre contre tout le monde. C'est pour cette raison que c'est l'heure du feu d'artifice. Personne ne s'en sortira vivant. Joe, je veux pas mourir, connard. Hey, qui est là? Oh bah écoute, ils font les cracks, mais on va les défoncer. Arrête! On va faire sauter la putain de tour, je te jure. Bah la première fois vous pouviez et vous l'avez fait, pourquoi vous le faites pas directement là comme la première fois? Bah ouais, non mais on combat, hein. Moi, c'est bon, ça combattre, suffit. Combattre, hein, ouais, j'en ai marre, ah, j'en ai marre avec moi, tous ces gens. Bon. En plus j'ai un marteau maintenant. Je sais que tu le feras pas. L'écoute pas, Jack. C'est terminé. Vas-y Jack. Bah faites-le, hein. Vous allez vous sentir bête. Vas-y, appuie. Joe, attends. Joe. C'est pas le pèlerin qui est venu au bazar il y a peu de temps? Peut-être. Pèlerin ou pape. Et alors? Tu comprends pas? Si c'est un pèlerin, il peut nous faire sortir. Nous conduire hors de la ville dans un endroit sûr. Je fais pas confiance à ce connard. Tu fais confiance à personne! Je t'ai déjà dit d'être sympa avec Barney. Bon sang, mais écoute-moi pour une fois! Être sympa avec Barney? Pourquoi faire? Pour le faire dégager du bazar. Après ce qu'on a découvert chez les pacificateurs. On l'a prévenu cet enfoiré. On lui a donné une chance de s'enfuir. Mais il s'est cru plus malin que ça. Prévenu Barney? À propos de quoi? Eh bien... À propos de Lucas qui voulait l'arrêter pour détention d'armes, entre autres. Il a préparé son piège pendant des semaines. Et au lieu de se tirer poliment d'ici, il a essayé de faire le malin. Alors, Barney savait que Lucas était après lui. Ce crétin voulait déclencher une guerre au vieux Ville d'Or. Et si tu me demandes, la guerre c'est la dernière chose dont on a besoin? Argent, cristaux, ça c'est notre histoire. C'est pour ça que j'ai essayé d'en finir avec ce chien enragé et sa sœur. Alors, pèlerin, tu vas nous faire sortir de la ville ou quoi? Bah non, en fait. Du calme, Joe. Je vais pas me calmer, putain. Fais-nous sortir de la ville, pèlerin, vers la colonie sécurisée la plus proche. Et personne ne mourra ici. Non, c'est bon, hein. Ah bah... En fait, non, pas question. C'est-à-dire qu'on est déjà en train d'aider toutes les factions là pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Non, c'est bon. Ouais, vous, en fait, non, vous c'est êtes bon. Rien, vous êtes personne. Je suis d'accord. En fait. Je négocie pas avec les extorqueurs et les meurtriers. On dirait que quelqu'un pète plus haut que son cul. Le pèlerin veut prêcher. Non, mais c'est insupportable, en plus, il nous parle mal. Vas-y, Jack. Maintenant. Oui, vas-y, Jack. Vas-y encore. Allez, le bouton rouge là. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Vos jouets marchent pas? T'as fait ça? Tu vas le payer. Aïe. Ah bah là, faut enlever la cinématique, hein. On va s'en occuper, nous. Eh, vas-y, je te les laisse et je regarde, ok? C'est la meilleure.
Attends, je vais prendre mon marteau, tu vas voir, ça va les cramer. Oh, c'est attention. C'est la meilleure. T'as vu ça? Tu sais que j'ai même pas sorti une grosse arme, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin pour eux. Bon. C'est des nazes. En plus, on peut les counter. Gros mulos, hein. On peut les parer, ça va. C'est pas comme les autres qui étaient vraiment chauds, tu sais. Bon, encore faut-il. Voilà, arriver à pied au bon moment. Aïe, il y a le derrière. Attends, oui, il est derrière toi. Mais vas-y, attaque-moi. Voilà. Tu vas crever, pèlerin. Ah, j'avais pas vu que ma santé est faible. Elle était faible, attends. Je me huile un coup. Vas-y. Ok, c'est bon. On va te pendre. Mais par contre... Ah, mais c'est que je voyais pas les PV. Je voyais pas où ils étaient, leurs PV. Ouais, c'est en haut, leurs PV. Je crois que je me huile un coup. Vas-y, fais attention. C'est vrai que moi, je fais jamais attention. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je peux faire ça, voilà. Oh, joli! Ah bah je fais des moves, hein, attends. En vrai, il était un peu dégueu, je sais pas comment il est passé, mais... Par contre, c'est trop fort, parce qu'après, ça le met à terre et t'as le temps de bien le taper. En fait, les beaux moves... Oh, sa tête, elle est restée là pour moi. C'est un trophée. Ouais, sa tête, elle est buggée pour moi. Ah ouais? J'ai sa tête ici, là, dans les airs, toute seule. Comme un trophée, mais ouais. Oh non, il a pas le cassé, là. Ah, yes. Regarde, il y a du stuff et tout. Merci, les gars. Ouais, même merci les gars, vraiment très content de vous avoir aidé. Non mais au bout d'un, c'est insupportable. Il y avait des bouteilles, on pouvait leur lancer dessus. Ah d'accord. Bah trop tard hein. Ouais non, les moves stylés... Les moves stylés en plus d'être stylés, ils sont trop utiles en fait. Hein. Moi je les utilise jamais alors que c'est tellement bien. Le côté stun en fait derrière est trop fort. Hein. Par contre moi ça m'insupporte les mecs, hein, constamment toutes les deux secondes à mal nous parler et après tu veux nous aider, bah non. Ils veulent même pas vraiment nous aider en fait, il fallait juste que nous on les aide. Hein. Ouais. Ça fait un truc là. Alors, c'est réactivé site. Ah, le ça. Génie qui prend le contrôle de l'eau. C'est moi. Ok. Alors, tu veux lire un petit peu? Ouais. Quand vous assignez un site au pacificateur ou au survivant, il contrôle aussi les alentours. Quand une faction prend le contrôle d'une zone, elle y installe ses structures. Les pacificateurs y installent des pièges de combat, tandis que les survivants construisent des aides au parcours pour faciliter la traversée. Plus vous assignez de sites à une faction, plus celle-ci devient forte, ce qui lui permet d'installer d'autres structures encore plus efficaces. L'état actuel de l'alignement de la ville est accessible depuis le menu carte. En fait, c'est giga stylé, je pensais pas que c'était à ce point hein, ce qu'ils avaient poussé là-dessus. Ouais, c'est très poussé. Hein. C'est vraiment classe. Oh. Et du coup, ça y est, on a enfin le choix de se dire est-ce que c'est pour les pacificateurs, est-ce que c'est pour les survivants. Donc, pacificateurs, je rappelle, ils vont rajouter, bah c'est marqué, tyrolienne en gros. Si on a des pacificateurs. Ah oui. Bah, dans la sélection. Si on a des pacificateurs, en fait, ils vont rajouter par exemple une tyrolienne. Ensuite. Ah ouais, on voit tous les trucs. Non. Mais non. Si. Les pacificateurs installent des voitures privées. Les survivants. Si on a des survivants, ils vont rajouter une tyrolienne. Et bon, c'est tout ce qui est parcours, ils ont dit. Mais en fait, là, le premier truc, c'est tyrolienne. Et regarde, après, on a des logos en bas. Donc, on voit qu'après, ce sera airbag, ce sera sac d'atterrissage, ce sera réanimation, ce sera grille de ventilation. Parce qu'ils ont dit que plus on leur en donnait, plus ça allait être fort, tu vois, les trucs. Oh attends, grille de ventilation. C'est ce qui nous permet ça, j'avais de vu, repartir ça. En... Ça te... En fait, ça te permet de repartir dans les airs. Ça te booste, c'est trop bien ce truc-là. Mais c'est trop stylé, regarde. Ouais. Ah, mais par contre, le... je sais même plus comment t'appelles ça, là. Le... Pas le parachute, là, tu sais. Le... Non, t'as compris. Ça, on va le débloquer même si on les aide pas, non? C'est juste le... Bah, je pense, hein. C'est juste la grille de ventilation qu'on a en plus avec eux. Hein. Par contre... Il y a des pièges à UV. Pas dégueulasse, côté des pacificateurs. Et côté pacificateur, oui, du coup, on aura des pièges à UV, par contre. Donc, ça permet d'avoir des checkpoints. Donc, ça, c'est quand même bien fort aussi. Ouais. Les pendules, ça sert à quoi, les pendules, on va y voir. Ah oui, c'est le pendule, oui, non, ça y est, j'ai compris. Oui, oui, le pendule, effectivement, le bon piège. Ok, lanterne mollo. Ok. Bah, c'est plus pack combat. D'arbalète. Wow. Oh, pack d'arbalète. On aura une arbalète avec eux. On aura une arbalète avec eux. Et on... Il y aura des pièges électriques, hein. En fait, c'est tout ce qui est le côté... Oh, le canon, canon à lame. À lame. Non, mais alors, déjà, on avait dit qu'on aidait plutôt les pacificateurs parce que les autres, ils sont un peu chiants. Mais là, niveau aide, je préfère largement les pacificateurs aussi. Hein. Voiture piégée aussi, il y a. On est d'accord, non?
Bah c'est vrai que c'est très très stylé, on va pas se mentir. En fait, c'est plus le côté combat pacificateur, alors ouais, que c'est l'autre, ce c'est plus ouais. le côté ouais, tu te balades sur la map. Qui est sympa aussi, hein, pour le coup, j'avoue que quand j'ai commencé à voir ce qu'il y avait, je me suis dit, ouais, c'est peut-être mieux eux, malgré tout, même si je suis plus pacificateur. Mais là, non, quand je vois les pacificateurs, non, c'est trop bien. Genre, rien que l'arbalète, moi, je suis conquis. On prend pacificateur ? Bah, moi, je suis chaud. Hein. Allez, let's go. Moi, je veux rester logique avec mon RP. Pacificateur pour la vie. Sous pression, succès déverrouillé. Ah, c'est trop stylé, du coup, c'est pas juste les moulins, du coup, c'est vraiment toutes les zones, là, maintenant. Mais du coup, même les moulins, on va pouvoir les attribuer à partir de maintenant, non ? Bah, je pense. Oh, regarde ! C'est trop stylé ! Ah, tellement. Oh, Sophie, elle va nous faire la gueule ! Bah, écoute, hein, rien à faire. Hein. Wouah ! Ah, c'est une forteresse, le truc, par contre, hein. Ah oui, là... Ah, là, je... Waouh ! Appuyez wow. sur M. Ouais, pour voir l'alignement. Ah mais attends, c'est quoi ça ? Pourquoi il y a... C'est quoi la zone à droite, là, en bas ? Centre-ville ? Ah, je sais, on l'a pas encore fait. Dézoom avec le... Ah ouais, je l'ai vu. Justement, j'ai dézoomé. Mais attends, ça veut dire que c'est immense, en fait. Il y a toute effet de la zone voiture piégée dans cette... T'as vu ? Ah bah non, mais pareil. Il y a toute une partie de la ville qu'on n'a pas vue, en fait. Oh mais non, mais c'est énorme, de toute piégée, façon. Voiture piégée... Oui, bah en fait, c'est juste que cette zone-là, elle appartenait à personne, quoi. Donc, oui, c'est juste ça. Donc, il y a juste une zone là qui appartient à personne aussi à gauche où on peut assigner du coup un site. Ouais. Ah, ok, c'est marqué. Passe sa souris sur la zone de gauche en dézoomant un peu, sinon j'ai l'impression que ça marche pas. Il y a marqué assigner un site, il y a marqué station électrique. Donc, je pense qu'il faut aller à la station électrique de cette zone-là. Elle doit être notée quelque part, j'imagine, peut-être. Moi, j'ai un espèce de tuto qui s'est affiché. C'est peut-être le truc qu'on avait tout à l'heure, non, je sais pas. Et en gros, si on trouve la station électrique, on la clean, pareil, je pense qu'on doit pouvoir la donner ah, voilà. au pacificateur. Ouais. Oui, voilà, parce que là, il me le dit. Vous trouverez ici différentes récompenses de ville que vous recevrez en affectant des zones aux factions. Pour affecter une zone, vous devez d'abord découvrir son site, château d'eau ou station électrique, puis l'activer ou l'affecter à la faction que vous voulez soutenir. Ah oui, mais c'est tout ce qui me marque là, en fait, je le lisais pas, parce que oui, c'est logique, ça, en fait. Oui, ok. Ok, mais c'est cool, hein. C'est tout ce qu'on a déjà vu avant de cette manière. Mais ouais, du coup, c'est cool. Oh là là. Par contre, oui, c'est les... là, c'est voiture piégée en fait qu'ils ont fait. C'est pas les lampes à UV et tout. Akon. Ouais, faudra voir. Aiden, t'es où, okay. bordel ? Barnes avec Lucas a essayé de le capturer. Jack et Joe l'ont prévenu. Il aurait pu éviter le piège, mais il y est allé quand même. C'est là que Lucas a été tué. Peut-être qu'on devrait jeter un œil à la cachette de Barnes à l'hôtel Tango. Je vais m'assurer que l'endroit est sûr. Non mais viens voir la vue déjà à l'extérieur, j'étais en train de regarder dehors, c'est trop trop beau. Non mais c'est ouf hein. Tu voulais que je vois quoi du coup ? Et là on a une tiro par contre. Ouais voilà, bah c'était la tiro et puis au-delà de la tiro c'était ça là, moi j'aime bien ce truc là. Ah comment oui ça s'appelle, c'est la corde, l'élévateur là. Ouais c'est trop bien ce truc là. Petit ascenseur là, ouais. Attends, je vais juste prendre la tiro et j'ai juste envie de voir ce que donne d'un point de vue extérieur cette zone parce qu'elle a l'air d'être immense, vraiment. J'ai lâché la tiro. Bien joué. Oh c'est bon, il l'a récupéré. Heureusement que c'est un crack le perso. Je me suis arrêté là aussi, mais j'ai pris un peu de dégâts. Pas beaucoup. Mais voilà, en fait, la zone, tu vois, genre, déjà il y a une tour là-bas derrière. Il y a tout ça qui a été fortifié. Il y a ça, c'est badass hein, chez eux. Putain, il y a un mec qui m'agresse là. C'est insupportable. Genre, quand tu vois ce que c'était et comment ils l'ont fait. Ouais, moi aussi, il y a un mec qui m'agresse. Il va pas m'agresser longtemps, le gars, moi je suis. Je vais essayer de le faire tomber. Voilà quoi, au bout d'un moment ça suffit. Hein. Ils sont deux. Au secours. Mais j'arrive pas à mettre des coups de pied, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Eh hey, mes potes, les pacificateurs, je vous ai aidé, aidez-moi. Je vous ai donné cette zone. Je pense que c'est la moindre des choses de venir m'aider. Oh mince. Oh mince. Ça va, cette villa elle va remonter de toute façon. En vrai, je fais très peu de consommation de heal parce qu'en fait, je laisse le soin mini remonter. Et ouais. C'est suffisant pour la plupart des combats. Donc après, c'est un peu risqué, mais moi, j'en dégomme du soin. Tu n'imagines pas. Moi, j'avoue que j'en ai pas mal d'avance, du coup. Pas force. Je regarde juste le marchand à l'intérieur, du coup. Et ouais, on va peut-être s'arrêter là, pour cet épisode, du coup. On a fait pas mal de choses, du coup, avec la première zone et ça. Ouais. Ça aurait été full combat, on n'aura pas menti là-dessus.
C'est 4 à distance. Franchement, les grenades maison, j'ai quand même envie de me faire un petit plaisir. Et on l'utilisera plus tard, mais... Oh, ah oui, c'est vrai que c'est une très belle structure, là. Parce que j'étais pas encore allé, moi. Ouais, t'as vu? T'as vu tous les oiseaux? Et on va vendre les objets de valeur aussi, hein, écoute. Apparemment, c'est worse. Par contre, j'ai pas encore trouvé une arme aussi forte que celle qu'on m'a vendue au niveau du katana. Hein, donc, pour l'instant, encore très content de cet achat. Hein. Pour moi, je ne suis pas déçu de mon superbe katana. Les mines, ça pourrait être utile sur des boss et tout plus tard, je pense aussi, mais bon. Je sais pas, après, je suis pas... Pas subjugué, quoi. T'es pas emballé? À la limite, les crochets, c'est bête, mais je pense que je vais quand même les améliorer, parce que vu que j'en fais une belle conso aussi, ça permettra qu'ils aient une meilleure résistance. En vrai, ça ne peut que m'aider. Bon, par contre, ce sera pour les prochains que je vais crafter, pas pour ça. Moi, je peux rien lui vendre, hein. Vendre tous les objets, ça me met zéro. Ah, mais c'est parce que lui, je peux pas lui vendre. Lui, c'est le... C'est celui de craft, c'est ceux qui ont une bourse en logo, tu as derrière. La qualité pacificateur. Ah, c'est logo bourse, ok. Ouais. Oh, le katana! Oh, mais attends, il a combien de dégâts ton katana? Le mien, 37. Ah, lui, c'est un légendaire à 41 de dégâts, hein. Ah, oui, bah... Ça rigole pas. J'ai envie de l'acheter, mais bon, 1400 balles le truc. Ouais, mais en vrai, je pense prends-le, hein, parce que c'est rare de trouver des trucs comme ça. En plus, légendaire, fais-toi plaisir. Bon, bah, je l'ai acheté.